À 60 ans, Albert de Monaco sait qu'il ne dirigera pas la principauté jusqu'à sa mort. Dans Paris Match, ce jeudi 22 mars, il explique comment il prépare ses jumeaux et plus particulièrement Jacques. À l'occasion des 60 ans du prince Albert de Monaco, Paris Match consacre un article, ce jeudi 22 mars, aux dirigeants de la principauté et surtout à sa relation avec ses jumeaux, Jacques et Gabriella. Le prince Albert explique notamment comment il protège ses deux plus jeunes enfants des pressions royales et comment il compte préparer son fils à lui succéder à la tête de la principauté. Ça se fera par les nombreuses conversations que nous aurons, explique Albert dans Paris Match. Il faudra qu'il s'imprègne en profondeur du fonctionnement du pays et des relations internationales. Âgé de 4 ans, Jacques est premier dans l'ordre de succession au trône de Monaco. Comme son père, il est donc amené à diriger la principauté dans quelques années. J'ai beaucoup appris en dehors des salles de cours, que ce soit ici au lycée ou à l'université aux États-Unis, je ne veux pas gâcher leur jeunesse en les jetant trop tôt dans la fosse aux lions. Nous devrons trouver le bon équilibre, raconte Albert qui prévient également qu'il ne se voit pas garder la tête de la principauté jusqu'à sa mort. De toute façon, je ne me vois pas régner très âgé, en me déplaçant difficilement. Dans l'ordre de succession, Jacques précède sa sœur jumelle Gabriella et sa tante, Caroline.